Bienvenue pour ce nouveau numéro de Soir d'Europe consacré aux demi-finales des trois Coupes d'Europe, Coupe des clubs champions, Coupe UEFA et Coupe des Coupes. Nous allons voir l'ensemble des rencontres qui se déroulaient ce soir avec des belles affiches en Coupe des clubs champions, notamment PSV Eindhoven, Juve, Real Madrid, Anderlecht. En UEFA, Mönchengladbach AZ67 et Naples Bohemians de Prague. Et en Coupe des Coupes, Barcelone Malines et Everton Ajax, des belles affiches, nous allons voir, avec un suspense qui reste entier dans l'optique des matchs retour. Et on commence avec la Coupe des clubs champions. Real Madrid, Anderlecht, un match aller à Madrid. Et attention, le Real il doit se méfier d'Anderlecht qui a éliminé Liverpool au tour précédent. Mais on va le voir, un match qui va être dominé en première mi-temps par les joueurs du Real. Là, c'est Juanito à la 22e minute de jeu. Il fait un petit festival sur le côté droit. Il remet à Butragueño qui donne à Santillana qui frappe. Et c'est dans les gants de Munar. Del Bosque à la demi-heure de jeu. Long coup franc, mais Santillana ne peut pas redresser ce ballon pour l'instant. La domination du Real est stérile. Juanito qui temporise et finalement il décoche une frappe, mais Munaron est sur la trajectoire du ballon. En seconde période, on verra juste un corner pour les joueurs d'Anderlecht sur cette tête de Gudjonsen qui passe juste à côté. Ce sera l'une des rares occasions des Belges dans ce match qui ont quand même été dominés par le Real. Mais ils ont bien tenu sur le plan défensif jusqu'à la 59e minute de jeu où Santillana échappe à Grund et vient mystifier Munaron. 1-0 pour le Real Madrid, c'est logique sur l'ensemble de la rencontre. Mais ce n'est pas un écart suffisant, le Real n'a pas réussi à faire le break dans ce match. Face à une équipe d'Anderlecht qui n'a pas pris de risque hier soir, qui s'est contenté de défendre. Et là c'est Santillana qui file au but, mais Munaron viendra sauver son équipe. On l'aura compris, un seul petit but d'avance pour le Real. Ce sera difficile quand même au match retour. Là, c'est un centre de Brilleux et un ballon qui passe juste au-dessus. Anderlecht qui n'a pas eu trop d'occasion dans cette rencontre, si ce n'est en fin de match vers côté Rennes pour Benny Nielsen qui venait de rentrer. Sa frappe sera contrée et Chiffaut qui frappe juste au-dessus. Score final 1-0 pour le Real. Un petit but d'avance, ce sera dur au match retour à Anderlecht. PSV Eindhoven, Juventus de Turin. Là aussi, une belle affiche. Mais on va le voir, des joueurs de la Juve qui vont bien entamer cette rencontre et qui vont se créer la première occasion du match. Là, c'est Platini pour Cabrini. Il a du champ. Il va centrer. Et c'est une tête de Paolo Rossi dans les gants de Van Broeken. Mais le PSV lui aussi va se créer des situations. One shot qui centre. Arnesen, ballon subtilisé dans les pieds de Gentile. Arnesen qui frappe, il trouve Dinosov. Double réflexe du gardien de la Juve. Attention, c'était dangereux. Un match très équilibré puisque Paolo Rossi à la 25e minute décochera une frappe que Van Broeken a toutes les peines du monde à sortir. L'essentiel des débats se sont déroulés en première mi-temps. Là c'est Liskens qui joue avec Arnesen sur le côté droit. Il redonne à Liskens qui centre et là Torresen, superbe but en extension. 1-0 pour le PSV qui ouvre le score dans un match très équilibré comme on l'avait vu. Mais la Juve ne va pas gamberger et juste avant la mi-temps va égaliser sur cette touche de Cabrini pour Bettega qui déborde. Il échappe à deux joueurs du PSV, tête de Boniek, un partout. Et on en restera là car il ne se repassera plus rien en seconde période. Un partout, c'est un bon résultat pour la Juve pour le match retour avec ce but inscrit à l'extérieur. Score final, un partout.
Coupe UEFA, le Napoli de Diego Maradona, tombeur de l'AS Monaco, reçoit les Bohemians de Prague, les Tchécoslovaques, qui ont éliminé Aston Villa au tour précédent. Attention, c'est un adversaire très coriace qui ne va pas se laisser impressionner par l'ambiance de San Paolo, puisque dès la deuxième minute, Milan Šarmak qui subtilise le ballon dans les pieds d'un défenseur napolitain et Jiří Sloup qui frappe, ça passe juste à côté de la cage de Garella. Attention, ça aurait pu être dangereux, mais Naples va asseoir sa domination et bien rentrer dans le match finalement. Maradona à la baguette, il a filé au but, il élimine trois joueurs tchécoslovaques, il frappe et Ruska, le gardien, réalise un premier arrêt d'une longue série. Careca qui sert encore Maradona, la 23e minute, il joue avec Alemão qui ouvre son pied, mais encore une fois, Ruska est sur la trajectoire du ballon. Match à sens unique désormais avec le joueur du Napoli qui domine, Maradona, banni, qui redonne à Maradona, qui rentre dans la surface, il est contré. Et Renica qui frappe et encore un arrêt réflexe. Naples qui domine largement cette rencontre mais qui n'arrive toujours pas à ouvrir le score. En seconde période, ce sera le même scénario, toujours des attaques des Napolitains. Carnevale là qui frappe et encore sorti par le gardien. Et il faudra attendre un corner tiré par Diego Maradona juste après l'heure de jeu. Et c'est une tête de Careca qui est repoussée par le gardien et Carnevale a bien suivi. 1-0. Un succès qui a été très très long à se dessiner pour les Italiens. Et on le sait, un but d'avance avant de se rendre au Dolicek Stadion à Prague n'est pas suffisant. Et Naples va tout faire pour inscrire un deuxième but. Là, c'est encore un centre et Carnevale de la tête, ça passe à côté. Et Naples qui va être récompensé en toute fin de rencontre. Renica, Maradona, Careca, il frappe et encore une parade du gardien. Et là, on se dégage comme on peut, un dégagement un peu en touche précipité qui aura une grosse conséquence puisque sur la touche, Alemão, Maradona qui va longer la ligne de but, qui centre au cordeau pour Careca et ça fait 2-0. Et Naples qui finalement, avec deux buts d'avance, devrait en tout cas voyager dans les meilleures conditions à Prague pour le match retour. Borussia Mönchengladbach qui reçoit les Néerlandais de l'AZ 67 Alkmaar et les joueurs ouest allemands qui vont mettre dès le début de la rencontre une grosse pression sur le but néerlandais. Matthäus, il s'avance, il élimine deux joueurs, il rentre dans la surface de réparation, il frappe. Et pour l'instant, c'est dans les gants de Treitel. Toujours Matthäus à la baguette pour Nickel qui sert Ouveran. Il rentre dans la surface, mais son tir est contré au dernier moment. Les joueurs ouest allemands qui dominent, mais qui vont être récompensés juste avant la demi-heure de jeu. Nickel qui centre, un ballon d'abord sorti par la défense des joueurs d'Alkmaar. Mais Matthäus va récupérer ce ballon pour Linen. Il redonne à Matthäus, il rentre dans la surface de réparation, frappe tendue. 1-0, c'est logique, car vraiment, il n'y avait qu'une seule équipe sur le terrain et ça fait 1-0. Lothar Matthäus, un homme du match hier soir vraiment, qui a été au four et au moulin de cette équipe ouest allemande du Borussia Mönchengladbach. Juste avant la mi-temps, une grosse occasion encore où Veran qui file dans le dos des défenseurs, il rentre dans la surface de réparation, il le frappe et ça passe juste à côté. Dommage, la balle de break était au bout du soulier. Lothar Matthäus encore lui, 73e minute, il déborde et il sent que c'est d'abord contré, il récupère, là, il va y avoir un petit cafouillage, Linen et Ran qui frappe en pivot, mais c'est toujours le gardien qui s'interpose. Les joueurs néerlandais s'en sortent vraiment bien, ils ont été largement dominés. Là, c'est Kist qui donne à Jonker qui frappe de loin. Il y aura un corner tiré par Kirsten Neygaard. Et qui ne donnera rien puisqu'il trouvera les gants de Kamps. Score final 1-0. Ce n'est pas cher payé pour Mönchengladbach qui devra batailler au match retour.
Et en Coupe des Coupes, hein, le FC Barcelone recevait les Belges du FC Malines. Attention, il faut se méfier de cette équipe belge qui a été un peu une surprise hein, dans cette campagne européenne et qui continue de contrarier la hiérarchie. Mais côté du Barça, on va dominer ce début de rencontre. Là, sur une mauvaise relance de Ferme, 9e minute. C'est récupéré pour Simonsen qui frappe et Prudhomme vient s'interposer. Attention, c'était dangereux. Le joueur de Barça qui pousse de plus en plus. Wilmot là qui va être fauché. L'arbitre ne siffle pas faute. Caldere, Simonsen. Et là, il a vu Leinecker qui est parti dans le dos des défenseurs du FC Malines. Et ça fait 1-0 pour le Barça. Qui, on va le voir, a dominé cette première mi-temps. Et qui ensuite va de manière assez inexpliquée s'éteindre dans cette rencontre. Juste avant la mi-temps, ils auront une autre occasion. Leinecker, Simonsen qui, à l'entrée de la surface, décoche une frappe, mais ça n'inquiète pas Prudhomme. Et on l'a dit, en seconde période, le Barça qui va s'arrêter de jouer. Et sur leur seule occasion du match, une tête de Ohana sur un long coup franc. Stupeur au Camp Nou, un partout. Et on avait dit, le FC Malines est une équipe dont il faut se méfier. Eli Ohana qui vient doucher les spectateurs barcelonais sur ce long coup franc. Très très bien tiré et une tête au second poteau. Et forcément, c'est un but qui vaut de l'or pour les joueurs belges dans l'optique du match retour. Surtout que les joueurs du FC Malines auraient pu, avec un peu plus de réussite, reprendre l'avantage puisque là, c'est Denbor qui rentre dans la surface de réparation. Regardez, il décoche une frappe surpuissante, mais le gardien s'interpose. Le Barça a eu très très chaud et le tournant du match va avoir lieu à 5 minutes de la fin sur un débordement de Carrasco servi par Leinecker. Il est fauché. L'arbitre siffle un coup franc. Jusqu'ici, pas grand chose à dire, mais regardez, un coup franc qui va être un peu mal dégagé par la défense, surtout par le gardien. Et Alexanko qui vient donner l'avantage à Barcelone. C'est un peu inespéré car en seconde période, ce sont vraiment les Belges qui ont eu la maîtrise du match. Score final 2-1. Mais en tout cas, le FC Barcelone a tout à craindre du match retour en Belgique. Et enfin, Everton, les Anglais d'Everton qui reçoivent les Néerlandais de l'Ajax d'Amsterdam. Un match qui va être pleinement dominé par les joueurs anglais. Parce que les joueurs de l'Ajax se sont contentés de défendre. Gray pour Sharp qui sert Steven qui rentre dans la surface de réparation. Il frappe et ça passe juste à côté. La cage de Menzo, on l'a dit, domination hein, des joueurs anglais. Steven qui déborde, là il est fauché par Vitschke. L'arbitre sanctionnera d'un carton jaune. Alors une domination des joueurs, certes, d'Everton, mais une équipe de l'Ajax qui tient vraiment et qui se sort des situations. Grosse maîtrise défensive de l'Ajax qui va résister très très longtemps dans cette rencontre. Là c'est Chidi qui donne à Andy Gray, il déborde et là regardez, le centre est retourné acrobatique de Sharp, 1-0. But magnifique, certainement le plus beau but de la saison, en tout cas de cette soirée européenne, ça c'est sûr. Et ça fait 1-0 pour Everton, c'est logique. Mais là encore une fois, un but d'avance. Ça n'est certainement pas suffisant pour se rendre sur la pelouse de l'Ajax dans 15 jours. Les joueurs anglais qui vont tout tenter pour doubler la mise. Et sur cette relance de Blind, un ballon qui va vite revenir dans le camp néerlandais. Red qui sert Chidi en profondeur. Il file au but, mais finalement Menzo vient s'interposer. Et on l'aura compris, score final 1-0. Tout reste à faire pour l'Ajax au match retour. Voilà, on l'a vu, hein, beaucoup de résultats encore indécis dans l'optique des matchs retour. Actuellement, on va dire que sauf deux clubs italiens, la Juve qui est allée faire un bon match nul au PSV et le Napoli de Diego Maradona qui se donne deux buts d'avance face aux Bohemians,
ont vraiment un bon matelas. Quant aux autres rencontres, tout reste indécis. Voilà, merci de nous avoir suivis pour cette émission Soir d'Europe consacrée aux demi-finales des Coupes d'Europe. On se retrouve dans 15 jours pour le prochain numéro qui sera consacré au match retour. Merci à tous et bonne soirée.